Je préfère mourir debout que vivre à genoux. Charbes, avec monsieur le sous-préfet représentant de l'État, avec Henri Drincourt représentant le Sénat et moi-même, nous allons vous donner lecture des noms des victimes de ces trois derniers jours. Jean Cabu, dit Cabu. Georges Volinsky, dit Volinsky. Stéphane Charbonnier, dit Charb. Bernard Verlac, dit Tignous. Philippe Honoré. Bernard Maris. Elsa Kayat. Ahmed Merabet. Franck Brassolaro, brigadier. Frédéric Boisseau, agent de maintenance. Michel Renaud. Mustapha Ourad. Nous ajoutons la policière municipale, Clarissa Jean-Philippe, et les quatre victimes dont nous n'avons pas les identités de la prise d'otage qui s'est terminée tragiquement dans un magasin cachère de Paris. Nous allons maintenant déposer une gerbe avec monsieur le sous-préfet, monsieur Drincourt, sénateur, représentant du conseil régional Éric Gentil, représentant du conseil général Philippe Serré. Ensuite, nous vous demanderons d'observer une minute de silence, puis nous chanterons tous ensemble ce qui nous lie, l'hymne national. Ensuite, nous reprendrons ensuite notre chemin pour qui reviendra à l'hôtel de ville par la rue de la République où nous nous disloquerons dans le silence. Je voudrais terminer sur la gerbe « Il y a paix et liberté ». Tout à l'heure, je parlais de fraternité parce que nous sommes tous ensemble, plus réunis que tout ce qui peut nous diviser. Donc vive la République et vive la France libre. Merci.